Les îles ont toujours attisé les fantasmes de la fiction, qu'il s'agisse de littérature, de cinéma, de séries télé ou même de jeux vidéo. Véritables mondes à l'intérieur du monde, elles fascinent par leur isolement, leur histoire et leur mystère. Les lois qui régissent les continents, qu'elles soient morales ou physiques, semblent ne plus y avoir prise. Mais comme vous allez le voir, pour les îles comme pour le reste, la réalité dépasse souvent la fiction. La première île dont je vais vous parler n'est peut-être pas la plus étrange du monde, mais c'est sans doute la plus dangereuse. Située au large de São Paulo, l'île de Queimada Grande est inhabitée et son accès est strictement réservé aux scientifiques. Vous devinerez sans doute pourquoi si je vous dis qu'elle est surnommée l'île aux serpents. Queimada Grande possède en effet la population de serpents la plus dense de la planète. Il y en a sur le sol, dans les arbres et même dans l'ancien phare abandonné depuis longtemps. Si c'était des couleuvres, ça pourrait encore passer, mais les serpents de l'île appartiennent tous à une espèce mortelle, les trigonocéphales insulaires. Ces reptiles n'existent que sur Queimada Grande, et leur venin, qui est un des plus puissants au monde, fait littéralement fondre la chair autour de la morsure. Pour les herpétologues, l'île est une curiosité unique. Pour le reste de l'humanité, c'est juste un cauchemar. À la fin du 19e siècle, le groupe Mitsubishi achète une petite île au sud du Japon. Baptisée Ashima, l'île se trouve sur un gisement de charbon que le groupe compte bien exploiter. Pour accueillir les mineurs, une véritable ville se développe sur l'île, avec des immeubles, des commerces, des écoles, tous encerclés par un grand mur de pierre qui les protège des tempêtes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mine de Ashima produit 400 000 tonnes de charbon par an. Parmi les ouvriers, on compte au moins 800 esclaves qui viennent de Corée, alors sous domination japonaise. Plus d'une centaine se tueront à la tâche. Dans les années 50, la population de l'île augmente tellement qu'elle atteint près de 5 300 habitants pour une surface de 6 hectares et demi, soit une population de 83 500 habitants au kilomètre carré. À l'époque, c'est la densité de population la plus élevée du monde. L'histoire de Hashima bascule quand le pétrole devient la source d'énergie principale au Japon. L'activité de la mine décroît rapidement et les derniers habitants sont évacués en 1974. L'île se retrouve alors abandonnée, livrée aux assauts des typhons, et petit à petit, ses immeubles sont gagnés par la végétation. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, Hashima est toujours comme Mitsubishi l'a laissé, une ville fantôme au milieu de la mer. Dans les années 50, un certain Julian Santana Barrera décide de quitter femme et enfant pour aller s'installer en ermite sur une île de Xochimilco, au Mexique. Une fois sur place, il aurait trouvé une petite fille noyée dans un canal. Pour honorer l'esprit de la fillette, Don Juan commence à collecter les poupées abandonnées qui dérivent au fil de l'eau et il les accroche aux arbres. Obsédé par cette tâche, il accumule des centaines de poupées qu'il trouve dans des décharges ou qu'il récupère auprès des habitants de la zone. La végétation de l'île finit par être recouverte de petits corps mutilés. Même la cabane de Don Julian est remplie de poupées démembrées, abîmées par le temps et les éléments. Dans les années 90, les médias s'emparent de l'histoire et l'île des poupées devient une sorte d'attraction macabre. Des excursions sont organisées pour que les touristes puissent découvrir ce paysage surréaliste où les yeux sans âme des poupées semblent les observer de toutes parts. Le 17 avril 2001, Don Juan est retrouvé noyé à l'âge de 80 ans. Il aura passé la majeure partie de sa vie seul sur l'île, au cœur de son œuvre absurde et grandiose. Les poupées continuent à moisir lentement au soleil du Mexique, mais d'après les superstitions locales, on pourrait les voir bouger lorsque vient la nuit. Dressée comme une gigantesque canine au milieu de la mer de Tasmanie, la pyramide de Bol rendrait l'île noire de Tintin presque accueillante. Cette île est une immense structure de lave qui s'est solidifiée à l'intérieur d'un volcan. C'est ce qu'on appelle un neck. Une fois que le cône du volcan est érodé, il ne reste plus qu'une aiguille rocheuse. Avec ses 562 mètres de haut, la pyramide de Bol est la plus grande aiguille volcanique du monde. En voyant l'aspect hostile et désertique de la pyramide, on pourrait croire qu'elle est dénuée de toute vie. Mais en 2001, une équipe de chercheurs a fait une découverte extraordinaire.
À 100 mètres de haut, sous un buisson isolé, ils ont trouvé une population de 24 insectes qu'on croyait disparus depuis 1930, les Dryococcelus australis, ou homards des arbres. Ces insectes géants peuvent atteindre 15 cm de long, et au moment de la découverte, ils étaient les insectes les plus rares du monde. Si vous vous demandez comment un groupe d'insectes rarissimes s'est retrouvé sur un rocher perdu entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la réponse est simple. On ne sait pas. Dans la lagune de Venise, il y a une petite île au passé tragique sur laquelle vous ne verrez pas de touristes. Au cours de l'histoire, Povelia a servi plusieurs fois de lazzaretto, ou zone de quarantaine. D'abord au XIVe siècle, lorsque la peste noire décimait l'Europe. Tous les malades de Venise étaient exilés sur l'île, où ils ne tardaient pas à finir brûlés sur des bûchers géants, en compagnie de milliers d'autres victimes. La peste frappa à nouveau au XVIIe, puis au XIXe siècle. Au total, on estime que plus de 160 000 personnes sont mortes sur cette île d'à peine 9 hectares. Plus tard, utilisant sa réputation de lieu maudit, Napoléon s'en servira pour stocker des armes et de la poudre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1922, un asile psychiatrique fut ouvert sur Povelia. Les légendes locales racontent qu'un des médecins se livrait à d'étranges expériences sur les patients et qu'il se jeta du clocher de l'hôpital. L'asile fut fermé en 1968 et l'île fut abandonnée peu après. Évidemment, le passé macabre de Povelia lui vaut une solide réputation de lieu hanté. Les pêcheurs s'en éloignent et certains disent parfois entendre le clocher sonner alors qu'il n'y a plus de cloche depuis longtemps. Les amateurs de sensations fortes s'y aventurent pour explorer les ruines de l'hôpital dans lesquelles on peut encore voir des installations médicales figées dans le temps. Si vous passez par Venise et que vous voulez faire une petite escapade horrifique entre deux tours de gondole, il faudra quand même être très discret. Povelia est aujourd'hui strictement interdite aux visiteurs. Socotra est une île légendaire qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Située au large du Yémen, l'île fut détachée du continent africain il y a 6 millions d'années et cet isolement géologique a donné naissance à une biodiversité phénoménale. Socotra abrite plus de 800 espèces de plantes rares, dont un tiers sont endémiques, ce qui signifie qu'elles n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Parmi les spécimens les plus étranges, on trouve l'arbre concombre, le figuier de Socotra qui ressemble à un pied d'éléphant fleuri, ou encore le dragonnier de Socotra, dont la résine rouge servait de teinture et de baume médicinal dans l'Antiquité. La faune n'est pas en reste et compte plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux, de reptiles et d'insectes uniques au monde. Si vous avez toujours rêvé de visiter un paysage extraterrestre, l'île de Socotra est sans doute ce qui s'en rapproche le plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ces quelques conseils touristiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre Axolot sur les réseaux sociaux. À bientôt !